je fais toujours un soin, donc en fonction de ce que j'ai besoin, un soin skincare. Ça va dépendre en fait, des fois ça peut être par rapport aux imperfections, à ma peau sèche, aux irritations, enfin vraiment je fais en fonction. Là je vais me faire un petit focus sur ma fatigue, mes poches, comme vous pouvez le voir. Je suis vraiment trop fatiguée en ce moment, je suis vraiment trop KO. Pourtant je dors, hein. Je me couche tôt, enfin en tout cas j'arrive jamais à terminer les séries ou les films, donc au lieu de m'endormir devant, en ce moment ce que je fais c'est que j'éteins et je m'endors dans le noir. Loua, la plus petite, se réveille en ce moment une fois par nuit pour manger. Mais je suis KO. Je suis KO parce qu'en plus, j'ai mes règles. J'ai mes règles non-stop, en fait, depuis que j'ai accouché et que je prends la pilule qui était compatible à l'allaitement. C'est n'importe quoi. Sur un mois, j'ai les trois tiers, je saigne. Donc je sens que ça m'épuise beaucoup. Bref, donc toujours le dimanche, skincare ou hair care, ou body care, enfin bref, je fais toujours des soins. Donc là, mes cheveux sont propres, de toute façon, je vais aller à la salle demain matin, donc j'ai pas prévu de les laver aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit nettoyage de peau, et je vais poser des poches, enfin je vais faire des massages aussi, des massages du visage, et après je vais laisser poser un masque de poche, voilà. Donc ça, généralement, le dimanche, ça me prend environ une demi-heure, trois quarts d'heure max. Ça dépend combien de temps je laisse poser le masque, mais généralement, je fais autre chose. Donc là, je vais peut-être nettoyer du coup la salle de bain. Plusieurs étapes, c'est-à-dire que je vais pas faire tout le dimanche ou tout le mercredi ou quoi, je fais une partie le dimanche, une partie le mercredi, une partie le vendredi, sinon je m'en sors pas. En tout cas c'est mes trois jours de repos. Et là aujourd'hui, bah, comme vous avez vu, j'ai attaqué un petit peu la salle de bain, la douche je vais la faire tout à l'heure quand je prendrai ma douche, mais avant j'aimerais tester un truc. En fait j'ai vu passer sur TikTok pas mal de vidéos où ils utilisent de l'aluminium pour gratter le calcaire, et moi si vous le savez pas, le calcaire chez nous c'est... cata, hein, je pense qu'on le voit juste ici. Donc je vais, avant de prendre ma douche tout à l'heure, comme c'est sec, je vais passer voir si ça fonctionne ou pas. Je vais voir si ça marche ou pas. C'est où ça fonctionne? Mais non. Ah ouais, c'est parti, je vais gratter tout ça. Non mais regardez, choquée. Alors après il reste encore des traces, je pense que ça s'est vraiment incrusté, donc j'ai laissé agir du produit. La chose est quand même quoi, c'est ouf. Et regardez par contre mes mains.
Là vraiment on va attaquer le linge en fait, donc généralement je fais plusieurs machines par semaine, c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. On a par contre notre sèche-linge qui est en panne, donc ça c'est une grosse galère. Putain, je ressemble à rien. Et bah du coup je peux moins me dire je fais une journée de lessive en fait, je fais vraiment sur plusieurs jours pour que ça ait le temps de sécher. Et ça m'est arrivé plus d'une fois d'aller au lave automatique pour sécher le linge, notamment les serviettes et tout, parce que c'est galère. Pour ce qui est du linge de maison, mes serviettes, je les ai changées. Les serviettes de la salle de bain, je les ai changées hier, donc ça c'est bon. Les draps de notre lit, on les a changés hier parce qu'il y a eu un accident, de ce que j'ai compris, parce que j'étais déjà partie au boulot. Et du coup, je vais m'occuper des draps de la chambre des filles quand je nettoierai tout à l'heure, parce que là Loua adore la plus petite, et du coup tout ce qui est torchon de cuisine et tout, je le ferai tout à l'heure quand je ferai le ménage de la cuisine. Moi le ménage en fait je peux pas être autant organisée qu'avant, enfin en tout cas j'ai trouvé mon organisation maintenant, mais avant c'est vrai que je faisais tout sur une journée, comme ça bim c'était fait, on passait à autre chose, et franchement c'est vraiment très gratifiant de le faire sur une journée. C'est voilà, on se dit on est tranquille sur le reste des jours. Là, en étant maman active de deux enfants, je peux pas. Mon mec il m'aide, mais il travaille aussi beaucoup. Et faut dire ce qui est. Voilà. Moi j'aime bien faire à ma manière, et du coup lui il va faire et il va faire. Hein, il participe, mais pas autant et pas aussi bien que je l'aimerais. Bref. Et du coup pour m'accompagner. Petite vidéo YouTube, petit café latte, c'est le deuxième de la journée, il faut vraiment que je me calme. Et pour les vidéos YouTube du jour, je vais regarder la vidéo de Isadora et Marisa et de Noémie. En plus, qui sont en mode organisation, placard tour et tout. Tout ce que j'aime pour un dimanche productif. Partie du linge, donc tout ce que vous avez vu avant ça a été trié, rangé. Là il me reste deux bacs, donc celui-ci c'était du linge sec de cette semaine que j'avais déjà plié, donc il y a le mien et celui des filles, et ça c'est celui que je viens d'enlever du séchoir, donc pareil à trier, plier et à ranger. Il y a juste le linge des filles que je ferai tout à l'heure, comme leur armoire est dans la chambre et que la petite adore, donc c'est parti pour la deuxième partie.
Alors, ce que je fais aussi le dimanche, c'est, comme vous le savez ou pas, soit du meal prep, soit du batch cooking. Au moins pour les premiers jours de la semaine, comme mon prochain repos c'est mercredi, j'essaie au moins de faire sur 3 jours, en tout cas sur 2 jours et demi. Donc du coup, comment je procède? En fait, ça va vraiment dépendre de ce qui me reste dans les placards. Donc je prends mes fiches que j'ai créées et je vais venir faire l'inventaire de tous mes placards alimentaires, donc frigo, congèle, placard d'épicerie sucrée, salée, etc. Et en fait, à partir de ce que j'ai, je vais regarder après tout ce que je peux élaborer en termes de plats ou de menus. J'essaye toujours de faire deux plats salés, à peu près 2 ou 3 plats salés. Ou alors je fais du batch cooking, c'est-à-dire que je vais préparer des légumes en avance, des pâtes, du riz, c'est généralement ce qu'on mange avec du quinoa. Et après nous on vient un peu faire nos assiettes à notre sauce. Et pour les protéines, cette dernière minute en règle générale, sauf le poulet ou quand je fais de la viande hachée en boulette. Mais là je sais que j'ai des émincés de poulet, on en a mangé ce midi, là ce midi il y a mon beau-père qui est venu pour son anniversaire, donc on s'est acheté un bon poulet rôti de la boucherie avec pommes de terre et tout, enfin vraiment le truc, le kiff du dimanche. Donc du coup, il nous reste du poulet rôti que je vais certainement grignoter ce soir avec une salade. Et puis peut-être qu'après, avec les derniers émincés de poulet, je ferai peut-être un cake. Je vais voir, ça peut être aussi une idée justement, vous voyez, pour utiliser vos restes, pour pouvoir faire des plats ou alors des gratins. Vous savez, le genre de choses, tout ce qui est quiche, quiche, cake et gratin, prenez les restes en fait, et généralement ça fait le plat du dimanche soir. Et en fait, une fois que j'ai fait du coup mon inventaire, je viens voir ce que je fais comme menu, sachant qu'en plus j'ai aussi un bébé de 7 mois à qui je fais de la purée. Donc là je lui ai fait de la purée hier, comme j'ai fini tôt pour une fois, je fais un peu de purée pommes de terre carottes, mais du coup il lui faut quand même des légumes verts. Et du coup, bah voilà, il faut aussi que je prépare pour la plus petite. Et donc une fois que j'ai élaboré mes menus, je vais pouvoir aller faire mes courses. Donc en règle générale, pour les courses, ça m'arrive ponctuellement d'y aller le dimanche matin à grands frais, mais sinon j'y vais, j'essaie de m'organiser la semaine, donc je fais généralement un drive où je vais prendre des packs d'eau, des packs de lait, tout ce qui est pas trop frais on va dire. Je vais prendre les yaourts, etc. Par contre, tout ce qui est légumes et fruits, je préfère choisir moi-même, donc idéalement grands frais. Après, on est à la recherche justement d'un primeur ou d'un producteur, ça sera encore mieux. Donc c'est parti pour l'inventaire.
Bon, du coup, on en est là. Mon inventaire et mes menus de la semaine sont faits, ainsi que ma liste de courses. Donc là, du coup, c'est les inventaires, enfin l'inventaire, pardon, de tous mes placards. Donc, oh mince, j'ai fait un gros trait. J'ai plus mon stylo, en fait. Il fonctionne plus, donc j'ai fait à la main, mais ça va, j'ai réussi à me lire. Sinon, après, je peux l'imprimer en format papier, mais j'aime autant utiliser le format digital, comme ça j'efface, je réutilise, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je peux vous partager mes fiches. Ensuite, une fois que ma liste elle est établie, du coup ici j'ai mis des idées de recettes ou batch cooking ou de ce que je peux faire pour utiliser au mieux, sachant que généralement je note la date de péremption, notamment pour le poulet et pour les lardons. Donc ça je note et comme ça je mange en priorité de la semaine. Ensuite, donc mes idées sont là, donc ça c'est pour nous tous on va dire, ça c'est pour la dernière par rapport à ces purées. Faut savoir aussi pour la dernière que tout ce qui est protéines, j'utilise ça. Hop, donc je vous montre rapidement, c'est des petits cubes yogi comme ça. Donc j'ai du colin, j'ai du saumon, pardon, j'ai de la viande hachée et j'ai du poulet. Ça c'est hyper pratique, en fait c'est vraiment des petites portions et moi j'ai toujours peur de pas assez cuire ou de que ça se perde ou quoi. Et là il y avait une promo, le deuxième était à moins 60% chez Carrefour, donc j'en ai profité. Donc j'ai 4 et dedans il y a combien de sachets? Il y a 12. 12 petits trucs, donc j'ai de quoi faire. Donc c'est pour ça que je fais que les purées de légumes. Et donc du coup, ce que j'ai écrit ici dans le semainier en violet, c'est ce que la grande mange à l'école. Donc c'est le menu de la semaine à l'école pour que nous, derrière, on puisse lui faire des repas variés, hein, le soir ou le lendemain, qu'elle mange pas deux fois du poulet dans la journée, deux fois des œufs, ou si c'est un repas qui a été riche le midi, que ce soit un peu plus léger le soir. Donc voilà, je fais toujours, voyez, les repas sur les trois premiers jours. Là j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on verra bien, parce que mercredi je suis repos, c'est toujours en freestyle. Et donc là je vais pouvoir faire toutes ces recettes là, donc une quiche Lorraine, un risotto petit pois, du poulet wok, des bananes plantain parce qu'elles sont en fin de vie et pareil on les grignotera comme ça en fonction. Je vais faire aussi un cake avec les émincés de poulet et des épinards. Mais alors je vais peut-être manger encore du poulet ce soir, je vous parle du poulet rôti, hein, du reste du poulet rôti, mais du coup il faudrait que je fasse plus tard. Après j'aime pas allumer mon four pour rien, donc je ferai peut-être autre chose en même temps, peut-être même du muesli. Tenez, hop, je vais regarder parce que là mon muesli il me reste plus grand chose. J'ai vu tout à l'heure, ah oui, alors ça j'ai été grave influencée par Olaya qui parlait de ça. Moi qui adore le porridge, ça fait très bouilli après. Alors mon mec il a rigolé parce qu'il a dit que c'est des trucs pour les vieux. Perso j'aime bien, il faut mettre du topping à fond, mais c'est hyper bon et ça cale de ouf. Et donc du coup, est-ce que j'ai du flocon d'avoine? Ouais, je pense que si je lance le four, je ferai aussi du muesli. Donc voilà, parce que c'est vrai que normalement je fais toujours une petite recette sucrée. Quand c'est pas des pancakes, quand c'est pas des choses comme ça. Après je pensais faire sinon de l'overnight porridge pour les matins, pour alterner entre pain et porridge. Ma fille elle adore ça. Et donc du coup là je suis en train de faire ma liste de courses, donc j'avais déjà marqué en fait, si vous voulez, ça c'est des supports qu'on colle après sur notre mur aimanté là. Donc en fait ici on vient alimenter au fur et à mesure, dès qu'on a un truc qui nous manque, que ce soit alimentaire ou non, on vient le noter là, vous voyez, notamment pour le papier toilette, les mouchoirs, la lessive. Et là bah, j'en ai profité, j'ai fait un petit tour de mes denrées vous savez, non périssables on va dire, parce que le frais c'est vraiment en fonction. Et en fait là je me rends compte que bah du coup je vais pas avoir grand chose de frais, et d'un côté c'est même peut-être pas plus mal. Ah si, il me faut de la salade, parce que vraiment la salade, ça je le mets pas dans mes menus, mais alors la salade j'en mange tout le temps, soit en accompagnement, soit je me fais une belle salade composée les soirs. Des fois bah je prends tous les restes et je me fais une belle salade. Et d'ailleurs pour ce soir, parce que là je l'ai pas noté, c'est pas dans les menus. Pour ce soir, je pense que... Alors hop, il nous reste aussi une part de gâteau. Je pense que ce soir, donc ça c'est les pâtes bolo de mon mec. Ça c'est des pâtes trois couleurs que j'ai fait hier soir. Trois couleurs que j'ai fait hier soir pour la petite. Et en fait, je me dis, je peux peut-être faire une petite salade avec ça. Parce qu'il me reste aussi des dés de fromage de notre apéro de vendredi soir. Donc du coup j'ai mis, ça y est, mes supports sur le mur. Ce que je vais faire, donc ça je le laisse, j'y touche pas, hop. Ça par contre du coup je vais effacer dès que je fais mon drive. Donc
Généralement, je fais toujours un drive pour le lundi soir. Le lundi, je fais des grosses journées, donc de 9h à 19h30. Donc c'est mon mec qui gère les filles le soir. Et en fait, bah, ça me permet de récupérer le drive juste à... Vu que c'est là où je travaille, en fait. Donc ça me permet de récupérer le drive et d'arriver avec les courses à la maison pour la semaine. Donc notamment les yaourts, etc. Donc j'ai toujours sur le site de Carrefour, parce que c'est Carrefour. Donc sur l'application, j'ai une liste, en fait, de mes favoris. Donc il y a ce qu'on note ici et je check aussi en fonction de ma liste des favoris parce qu'il y a des produits en fait qui reviennent toutes les semaines et c'est surtout qu'après pour la lessive c'est bien une lessive en particulier qu'on aime, pour le pain bio idem etc, le beurre de cacahuète aussi et en fait voilà ça permet vraiment de gagner du temps et d'éviter les oublis. Donc voilà comment je m'organise pour les courses début de semaine. Et puis après, généralement, le mercredi, une fois que j'ai utilisé du coup tous mes produits frais là, je vais refaire un point. Et du coup, je refais après des menus pour le reste de la semaine. Et puis le week-end, c'est toujours un petit peu freestyle. Mais du coup, avant de faire la cuisine, les filles dorment. Il est 15h50, elles sont endormies tard. Je vais faire juste mon planeur mensuel qui est dans l'entrée avec vous. Je vais vous montrer comme ça. Bon, on est le 4 février, mais j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai pas pris le temps, on va dire. J'ai pas pris le temps de le faire. Je l'ai fait en tout cas dans mon planeur papier, dans mon bullet journal. Donc là, je vais le faire dans l'entrée pour que mon mec et moi on ait un visu dessus. A été rempli, j'ai mis l'essentiel, les anniversaires, les rendez-vous pour l'instant, à la semaine où ma nièce elle est là. Après il y a des choses qui viennent se rajouter au fur et à mesure, je vous mets juste des petits points ou des petits cœurs de couleur, donc là c'est vert pour mes repos. Et là ce mois-ci j'en ai plein parce que j'ai tous mes dimanches à récupérer, mes dimanches que j'ai bossé au mois de décembre, il faut absolument que je les liquide là, donc j'en ai 3 à caler. Donc ça va me faire un mois plutôt light, mais ça n'empêche que j'ai quand même beaucoup de taf. Donc voilà pour le calendrier du mois, ça c'est fait. Là c'est dans l'entrée et j'ai une petite crotte qui m'accompagne par terre, qui me met un bazar fou. Je vais en profiter pour cleaner. Alors pour bien organiser ma semaine aussi, je vais préparer les sacs et faire le réassort aussi des sacs, hein, réassort notamment des couches. Donc là j'ai le cartable de ma fille avec son sac où il y a le grand cahier dedans qu'elle ramène une fois par semaine en fonction de ce qu'elle met. Donc du coup je vais juste checker que le change dedans est bien propre et tout ça, mais généralement je fais pas grand chose. Ça c'est mon sac du boulot. Donc dedans j'ai mes tote bags, parfois j'ai mes sacs de congélation, gamelles, etc. Donc je vais regarder si tout est là et je vais mettre après mes cahiers, mes lunettes et ma trousse dedans. Et du coup ça c'est le sac à langer. Donc là je vais juste le vider, faire un coup de propre et remettre des couches dans cette pochette là. Parce que bon, des couches on en a à la maison, on en a aussi chez Nounou bien sûr. Mais dedans en fait ça c'est quand je pars en vadrouille. Si admettons en allant la chercher chez Nounou, on part quelque part, il faut que je la change. Bon bah je préfère qu'il y en ait toujours. Donc c'est parti pour les sacs. Ça c'est la trousse isotherme qui est dans le sac à langer, donc qui appartenait à la grande, qui est maintenant pour la plus petite, mais qui sert aussi pour la grande. Pourquoi ? Dedans je vais mettre les pots en fait au fur et à mesure, jour par jour pour Nounou. Donc chez Nounou elle a des pots industriels, j'essaye de prendre du bio, mais vraiment quand j'ai pas le temps de faire de purée. Sinon je mets tout, enfin, jour par jour, je vous montrerai tout à l'heure, les pots de la journée dedans et les yaourts frais aussi. Sinon, je mets toujours des petites choses en râpe pour les goûter notamment. Donc là dedans, on a un petit sachet transparent. Donc ça, c'est des fois pour des restes de gâteau ou quoi. Là, j'ai... Ça va, Loi ? Là, j'ai un petit sachet de biscuits. Je vais venir mettre également une petite boîte de raisins secs. De compote. Donc ça, c'est valable pour la petite et la grande. Encore des petits biscuits, donc je mets aussi des goûters parfois quand je vais chercher la grande à l'école et que j'ai pas le temps de repasser à la maison pour prendre un goûter ou qu'on mange dans la voiture en fait. Et à 16h30 elle est affamée.
un petit yaourt qui se garde pas au frais aussi pour la plus petite ou la grande. Et du coup, pour terminer avec mes sacs, je vais faire celui de mon sac de sport. Donc généralement les vêtements sales sont déjà enlevés, mais j'aime bien une fois par semaine, donc le dimanche, le vider, le remettre un peu à jour, voir s'il faut que je rachète des produits en miniature ou quoi. Donc je vais le faire avec vous rapidement et je vais vous expliquer après comment je fais pour mes vêtements. Comment j'organise mon sac de sport. Donc là j'ai un tote bag où je vais venir mettre dedans ma trousse de douche, parce que j'ai deux trousses, ma trousse avec mes produits pour la douche, ma serviette de douche, mes tongs pour la douche, et du coup dedans je vais venir mettre aussi mes vêtements, donc pour demain, étant donné que j'y vais demain matin, j'ai déjà préparé ici ma tenue de sport, donc je vais direct à la salle et je me douche là-bas. Ça c'est mes élastiques, cordes à sauter et casque. La serviette pour la salle, ça c'est le sac pour mettre les chaussures et le spray pour un petit coup de frais dans les baskets. Donc dedans je vais pas mettre mes baskets, je vais mettre mes bottes que je mettrai sur ma tenue d'après. Et ma petite trousse de toilette où dedans en fait j'ai un peu de make-up. Donc généralement je mets juste un petit coup de poudre et de mascara. Et puis bah là j'ai tout ce qui est pour les cheveux, déodorant, voilà. Et du coup je vais mettre tout ça dans mon sac et je vais mettre ça dans l'entrée avec le reste des sacs. Du coup, j'ai préparé mes vêtements pour le début de semaine. Donc ça, c'est les premiers vêtements de sport, parce qu'il y en a une deuxième. Donc pour demain matin, parce que demain matin, je vous répète, je vais à la salle avant d'aller au boulot. Donc je m'habille directement dès demain matin en tenue de sport. Et du coup, mes vêtements pour le boulot sont dans mon sac de sport. Et mon sac de sport est déjà dans l'entrée. Coucou. Ensuite, en dessous, on a la deuxième tenue de sport pour le deuxième training de la semaine. Ici, c'est ma tenue avec ça. Hop, je vous montre comme ça, donc c'est une chemise, du coup je la laisse, je la plie pas, je la laisse sur cintre avec ce blazer en tweed de chez Mango, of course, que j'adore. Ça c'est pour mardi, parce que du coup mardi je vais pas à la salle, donc je peux mettre une chemise comme ça. Et du coup encore en dessous, j'ai deux autres tenues, donc pour mercredi et ou pour jeudi, je vais voir en fonction, parce que là j'ai une jupe, je pense que la jupe ça va être pour jeudi. Et un pantalon un peu plus décontracté avec la surchemise pour mercredi, parce que mercredi c'est la journée. C'est la journée kids. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez, je vous la mettrai en barre d'infos. Juste pour info, j'ai mis aussi tout ce qui est lingerie et chaussettes, comme ça, c'est pratique. En fait, c'est pareil pour chaque jour. J'ai ma lingerie qui va avec pour mes bijoux. Donc mes bijoux, ils sont... Hop, je vais essayer. La lumière n'est pas top, je suis désolée, mais il fait nuit. Tous mes bijoux sont là, en règle générale, je mets toujours la même chose. C'est juste mes boucles d'oreilles que je change de temps en temps, mais en tout cas, tout est là et je fais au feeling. Et du coup, j'ai fait la même chose pour les filles. Donc ça, c'est les deux tenues des jours à venir. Ici, c'est le pyjama et le body pour ce soir, parce que là, elles vont aller au bain. Et de ce côté-là, pareil, alors c'est un peu le Bronx, hein. D'ailleurs, je vais réorganiser toute cette partie-là. Là, je vous le ferai peut-être en vidéo. Donc pour la plus grande, son pyjama, sa culotte, ses chaussettes pour ce soir, propre. Et là, c'est les vêtements pour lundi, mardi.
qui arrive. Pareil, parce que j'aime bien qu'elle s'habille toute seule, donc comme ça en fait, c'est à chaque fois comme ça, elle a juste à les prendre, et au moins j'essaie de la rendre un peu plus autonome là-dessus, et ça sera prêt.